Voilà, 3 mois que je fais quasiment plus de street, puisque j'étais blessé à l'avant-bras. Maintenant, je suis blessé dos, triceps. Du coup, bah, je m'entraîne plus du tout. Mon physique dégueulasse. J'ai pris du poids, enfin, j'ai pris du gras, j'ai perdu du muscle. Et je vais essayer de vous filmer comment je vais essayer de reprendre un bon niveau en street. Et comment je vais essayer d'arranger ce physique de mort. Donc là actuellement niveau perf, je dois avoir 2, 3, 4 max full press. Niveau front, je sais pas du tout vu que j'en fais absolument plus, j'ai totalement arrêté. Je peux même pas faire une traction. Donc ça va être bien compliqué de reprendre un bon niveau et de faire tout ce que j'ai prévu. Je vous montre pas le poids que je fais parce qu'en vrai c'est pas très intéressant, ça veut plus ou moins rien dire. Je me suis pesé en gros. Et ça va, je suis pas très lourd, mais en fait c'est vu que j'ai perdu beaucoup de muscles, j'ai pris du gras, on croirait que ça va, tu vois, le niveau poids sur la balance c'est ok, mais de toute façon ça se voit au physique, c'est pas, ça va pas. Je pense que vous avez déjà vu mon physique de prime et même mon physique, on va dire quand je suis bon au street, et ça a absolument rien à voir. Je sais pas vraiment combien de temps ça va durer, cette vidéo, ce vlog, je sais même pas comment je vais appeler ça, putain. Mais bon, ça peut, en vrai, ça va durer déjà plus longtemps que 2 semaines, c'est sûr. Ça va être 1 mois si je poste ça en mini-série. Mais bon, je vais arrêter d'ouvrir ma gueule et je vais commencer à m'entraîner, à bien manger. Putain, je voulais te dire, c'est trop dur de vlogger sa mère. Dernier truc. Oui, j'ai un plan pour faire tout ça, bien sûr. Au niveau diète, j'ai déjà essayé de faire une diète cétogène et ça a pas mal bien marché. Je la conseille pas à tout le monde. De toute façon, tout ce que je vais faire, je le conseille pas à tout le monde. Donc ouais, je vais faire une diète cétogène, ce qui consiste à bouffer un max de protéines et un minimum de glucides en gros globalement. Je suis pas nutritionniste, mais c'est ce que j'avais déjà fait. Et je vous mets mon physique, je vous mets mon physique quelque part quand j'avais fait ça. Et du coup j'avais des perfs de malade et un physique que je trouvais assez bon. C'est pour ça que je vais essayer de refaire ça. Et niveau entraînement, j'ai rajouté 2 séances de curl lourdes par semaine, ainsi que 5 entraînements à peu près de street. Donc au début on va commencer par du renfo niveau street, parce que bah je peux pas tenir une séance de 1h30, 2h en faisant que. Bah voilà, training terminé. Je vais pas tout vous mettre vu que ça va être sur plusieurs jours, comme je l'ai dit plusieurs fois. Donc ce que vous venez de voir, c'était ma foule après, en vrai, 5 tentatives. Elle était trop dégueulasse, j'avais trop honte de la montrer. Même si c'est le but de cette vidéo, vous montrer une évolution niveau diète, niveau entraînement, niveau forme, niveau tout quoi. Mais j'avais trop honte de mettre mes 4 premières foules, 4-5 premières foules. Donc là j'en ai mis une, bah, ma meilleure en vrai, je vais dire la vérité. Donc comme je l'ai dit juste avant, mon plan ça va être diète cétogène. Bien évidemment il peut y avoir des fails. Je mange qu'une seule fois par jour, un gros repas le soir, full protéines. Au début du training échauffement, ensuite 2-3, un peu plus j'avoue, 5-6 essais de planche, de combo ou autre. Ensuite renfo et 2 fois par semaine ça va être du curl. Tout simplement. Ça va être évolutif, bien sûr, selon ma progression, selon mon niveau. Mais tant que j'ai pas un niveau correct en full, je changerai pas ce programme. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, mon max jour 1, c'est deux presses très dures en plus, avec une mauvaise forme, et etc.
Je sens que je manque énormément de force et de proprioception. Bien sûr, ça se récupère, hein, comme j'ai dit, avec le temps. Si je filme 15 minutes de training par jour, la vidéo va durer 100 mois. Et c'est pas le but. Du coup, ouais, j'ai fait mon petit renfo léger, vu que c'est le premier jour, je m'acharne pas non plus. Parce que je dois tenir pendant un petit moment quand même. Et du coup, je voulais juste vous parler des compléments alimentaires que je prends. C'est la glycine de MyProtein, ainsi que de Focus de l'ashwagandha. Pour l'instant, je suis que sur ça et de la whey, bien sûr. Bon, bah voilà, exemple type du repas que je fais en diète céto. Que de la pure viande, ouais, il y a un peu de glucides sur la panure, mais bon, ça passe. Ketchup au sucre sans sucre. Et voilà, on va se régaler. Alors je crois savoir comment va être fait cette vidéo. En vrai, c'est trop dur, c'est la première fois que je le fais. Du coup, ça va être. J'espère que ça va vous plaire. Je pense que je vais filmer toute ma semaine à chaque fois, enfin des petits moments chaque semaine pour pas que ce soit trop long. Cette vidéo va être faite sur un mois. Et à chaque fin de semaine, chaque début de semaine, il y aura un bilan pour expliquer ce qui est allé, ce qui n'est pas allé, si j'ai craqué, etc., etc. Parce que de filmer tous les jours pendant un mois et mettre ça dans une vidéo, c'est quasiment impossible. Du coup, bah, je vais sauter des jours à chaque fois. Et s'il y a des trucs intéressants, bah, je vous les mettrai dans la vidéo. Voilà. À savoir aussi, il y a 2 jours, du coup, je me suis entraîné. Hier, je me suis pas entraîné parce que j'étais malade. Mon niveau, bah, c'est les premières vidéos de planche que vous avez vues. Quand je faisais l'intro, j'étais horrible. Et là, 2 jours après, en ayant bien mangé, du coup, pendant 2 jours, fait mon renfo et tout, ça va beaucoup mieux. Mon niveau monte et descend selon les jours. Parce que je sais pas en fait. Mais ça le fait en tout cas. On va appeler ça des bons jours et des mauvais jours. Aujourd'hui, du coup, c'était mon bonjour. Bonjour. Et bref. Donc, il se peut qu'il y a des moments incohérents, entre guillemets, genre je passe de presse à 5, et ensuite demain, ça se trouve, j'en aurai 3, etc. Mais le but, justement, c'est qu'au bout d'un mois, avoir régulé mon niveau, et que ce soit, entre guillemets, à peu près toujours le même, et bien sûr que j'ai level up, hein, on espère. Voici un autre exemple typique de mes repas en sèche prise de vue, je sais pas comment on peut appeler ça. Viande de kebab du coup, tranche de blanc de poulet, 2 œufs, et je vais rajouter un tout petit peu de fromage pour pas que ce soit non plus la bouffe de Doberman, parce que c'est ultra protéiné, 25 grammes de protes. Voilà.
On est à l'avant-dernier jour de la semaine, donc le sixième jour d'entraînement. Je me suis échauffé, j'ai lancé mes premières planches. Putain, je pue la merde aujourd'hui. Ça fait au bas, au bas, au bas. C'est justement ce que je veux pas. Je veux avoir un niveau stable. Putain, ça va être horrible. Je pue la merde en fait. C'est genre, c'est abusé. Je sens que j'ai progressé niveau proprioception, niveau force un peu, et que j'ai perdu du fat. Mais ouais, là le niveau c'est pas ouf, en tout cas aujourd'hui. Du coup, je vais juste full renfo. L'avant-dernier jour, du coup, je sais comment je vais préparer mes autres semaines. Du coup, je vais vous en parler au moment du bilan. Du coup, demain, demain, je vais faire le point. Je vais vous expliquer ce que j'ai réussi, ce que j'ai fait plus en détail parce que je peux pas filmer toute ma journée, tous mes entraînements. Comme je crois que je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, mais putain, c'est trop dur de vlogger, de faire une vidéo. Enfin, bref, je peux pas vous filmer 2 heures d'entraînement à chaque fois. Surtout que souvent je fais la même chose, enfin, genre je fais mon renfo, je fais mes planches. Et puis voilà, enfin, je le fais genre 5 ou 6 fois à chaque fois. Ensuite je change d'exercice 5 ou 6 fois, etc. Donc voilà, je sais pas comment ça va être monté ou autre, j'ai encore rien fait. Alors dites-moi si vous voulez plus de longueur sur le training, enfin filmé en mode dans la vidéo, si vous voulez plus de training. Plus de bah, les couches que je fais, vidéo de mon chat, je fais du vélo, etc. Si vous voulez des vidéos où je joue, je sais pas moi. Qu'est-ce que vous voulez que je mette plus dans mes semaines d'entraînement? Enfin, que je vous montre plus, pardon, dans mes semaines d'entraînement. La bouffe, mes impressions à chaque fois, etc. Alors, je vais pas vous mytho, je comptais aller faire un petit tour de vélo. Mais en fait, le truc, c'est qu'il pleut sa mère dehors, donc ça m'a un peu démotivé. J'ai pas encore fait de cardio, en fait tout court, j'allais dire de vélo, mais de cardio, en vrai j'ai rien fait pour l'instant. Tout simplement parce que bah, vu que déjà j'ai changé ma diète, je suis à beaucoup moins de calories, quasiment zéro glucides. Je voulais pas rajouter du cardio directement parce que ça allait, ça m'aurait peut-être achevé, peut-être que j'aurais craqué du coup, etc. Du coup, je me suis dit aujourd'hui je me sentais assez bien. Vu que j'avais pas trop de force pour l'entraînement, j'ai juste fait du renfo, j'ai pas fait vraiment de planche et tout. Donc je me suis dit bah c'est le moment pour caler un peu de vélo. J'ai regardé par la fenêtre, il pleut sa mère, donc ça m'a dégoûté. Si demain il pleut pas, il y a moyen que j'en fasse pour clôturer la semaine. Mais voilà, rien de plus à dire pour aujourd'hui. Là je vais préparer mon repas, ça va être des œufs, de la viande pour changer. Bon moi je kiffe donc ça va, avec un peu de ketchup. Donc voilà, de toute façon je vais vous montrer ça. Ah oui, et une chose importante, je sens qu'on va me le demander. Non, j'ai pas traqué mes calories, en tout cas pas pour cette fois, et en tout cas pas pour le début.
Tout simplement parce que pour l'instant, bah, je sais que je suis large, large dans mes cales. Tout simplement parce que bah, j'ai pas de glucides et c'est ça qui donne des calories à la mort et je bouffe pas de gâteau ni de soda ou autre. Donc c'est sûr que je suis dans mes calories, je sais pas à combien je suis. Le seul entre guillemets écart que je fais, c'est que je mets du fromage, mais c'est blindé de prod, je crois que c'est 28 grammes de prod pour 100 grammes de fromage. Donc dans tous les cas, je suis dedans. Ensuite, en quantité, bah, en vrai, je mange à ma faim, mais une fois par jour, je fais un gros repas le soir, où je m'explose le ventre, et puis j'arrête. Donc là, un kebab, Carrefour classique, 147 calories pour 100 grammes, 17 grammes de prod, c'est pas ouf, 17 grammes de prod. Mais avec le shaker de whey, MyProtein d'ailleurs, avec le code NSMP, bien sûr, avec le code, avec la prod. De chez MyProtein, into œuf, into tranche de dinde, into viande de kebab, into fromage, c'est sûr que je vais être dans mes prods quotidiennes, je vais être même large au-dessus. Ah oui, et aussi une chose importante, c'est sûr qu'en une semaine, je vais pas complètement changer de physique ou avoir 25 full press, c'est pour ça que je le fais en un mois. Et désolé encore une fois si je me répète, c'est parce que bah, j'ai pas édité la vidéo donc Je me rappelle pas de ce que j'ai dit le jour 1 ou le jour 2, enfin pas forcément parfaitement. Donc ouais, c'est sûr que je vais pas être ultra sec en une semaine ou je vais pas avoir 10 full press ou etc. Mais je sens que j'avance de fou. Et voilà, de toute façon le but c'est qu'en un mois j'ai réussi mes objectifs. Je vais peut-être me donner des objectifs en planche et en front. Je sens que je peux un peu refronter un tout petit peu, je peux faire des tuck pull-up et tout, je pense que vous l'avez vu. De toute façon, je vais en parler demain. Donc, je vais peut-être me donner un objectif en planche à faire en un mois, bien sûr réalisable. Hein. Je ne vais pas faire un 40 secondes ou 20 full press, je vais faire un truc faisable que je peux faire en un mois en partant de full press du coup. Si jamais vous avez des idées, bah, dites-les moi en commentaire, des idées de combo ou de max haul ou de max press ou autre. Et puis voilà. Et je vais vous dire la vérité aussi, c'est ultra dur de faire des comebacks entre guillemets. Je le fais en grosse partie parce que, enfin, je le fais pas pour ça, mais le fait que ce soit filmé et que bah, j'ai pas le choix en mode, parce que bah, le but c'est de progresser et de pas faire de la merde, etc. Désolé, c'est juste pour pas que ça crame. Ouais, bref, le fait d'en faire une vidéo YouTube en fait, ça m'aide à m'y tenir, que ce soit au niveau de la bouffe et au niveau de l'entraînement. Parce que ouais, d'être blessé à H24, de tout reprendre, etc. Je sais que je reprends pas de 0-0, enfin, même si j'ai deux full press. J'en ai déjà eu je sais pas combien, pareil pour les push-ups, pareil pour le front et tout. Mais justement, du coup, enfin, c'est plus facile de revenir entre guillemets. En termes de. Physiquement, en fait, c'est plus facile de revenir vu que c'est quelque chose que tu as déjà eu. Mais par contre, ça fait très mal de passer de 12 full press à 2, de passer de 35 front pull-up à 4, etc. Ça fait encore plus mal parce que tu te dis, putain. J'avais 35, là j'en ai 4. Pareil en planche, etc. Tu te dis, c'est loin! Même si, du coup, c'est plus facile pour moi de les réavoir, de revoir mes 35 front pull-up qu'un mec qui en a jamais fait ou qu'un mec qui en a que 4, on va dire, qui a le même niveau que moi actuellement. Moi, je vais progresser beaucoup plus rapidement que lui, c'est sûr. Mais bon, ça fait quand même bizarre. Putain, c'est trop dur. Je me dis, est-ce que je fais ça pour quelque chose vraiment? Ça se trouve, au bout de 3 semaines là, de vidéo, je vais me reblesser, ça va recommencer, etc. Parce que c'est déjà arrivé bah, tellement de fois les blessures, je pense que vous avez capté que je me blesse entre guillemets facilement. Peut-être, je sais pas, c'est dû à quoi, c'est bah, sûrement ma génétique, j'ai une génétique de merde niveau blessure, ça c'est sûr. Et ça concerne pas que le street, hein, je suis blessé au dos, je suis blessé au dos, au taf, genre, et depuis, bah, c'est jamais parti. Je me suis cassé les deux chevilles, je me suis. Même niveau santé, j'ai une santé éclatée au sous-sol. Ouais, je suis un fragile du corps. Et vu que bah, je m'entraîne comme un bourrin, du coup, ça va pas ensemble. Et j'ai beau tout faire, hein, j'ai beau bien m'échauffer et tout, j'ai beau tout essayer, c'est la même merde. Sauf en front, j'avoue, je sais de ma faute. Je me suis jamais échauffé. Je me suis dit, je suis immortel en front. Je me suis éclaté le dos, triceps. Et voilà. Alors, une dernière aparté. Putain, je sais pas pourquoi je parle comme ça, sa mère. Demain, je récupère mon colis MyProtein. Du coup, bon, on va l'ouvrir ensemble, entre guillemets. Je dois aussi aller faire
Un test sanguin pour. Bah, j'ai déjà fait pour savoir mon ratio, testostérone, etc. Je ne sais même plus où elle est la feuille, mais je l'ai déjà fait. Et là, ils ont vu qu'il y avait un problème dessus. Alors, c'est soit j'ai une hémorragie interne, soit je manque de fer. Ils savent pas. Donc, du coup, je dois refaire. C'est bizarre la différence entre les deux. C'est soit un truc ultra dangereux, soit c'est juste un manque de fer. Du coup, demain, je dois refaire une analyse pour savoir ce que c'est, du coup, entre les deux. Et voilà. Et après, ben. Bah, on va s'entraîner pour le dernier jour, sûrement cardio, et puis voilà. Bon alors, il est 9h du matin, je suis explosé. Je dois aller au laboratoire pour faire une analyse. J'espère juste un truc, c'est que le livreur MyProtein passe pas en même temps que je suis au laboratoire. Parce que j'ai vu que je suis maudit, ça peut arriver. J'ai trop le mort d'y aller, surtout en vélo, parce qu'il pleut et tout, c'est... Voilà, en tout cas, c'est fait là. Ça fait chier de se faire piquer à 9h du matin. Je sais pas comment ils se font, les gens qui se chargent. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai pas de frein. Donc, faut que je fasse le malin. Et ouais, du coup, j'ai les résultats demain de savoir si je vais crever ou non. Donc voilà, là, je vais. J'espère que le livreur passe dans pas longtemps pour le colis. Histoire que je vous montre tout ça l'après-midi. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Il est 10h30, un truc comme ça. Je dois regarder le trailer de GTA 6 qui vient de sortir, je ne l'ai pas encore vu. Ensuite, je vais un peu jouer à Call of en attendant le livreur, parce que j'ai pas envie de le rater. Ensuite, je dois faire mes courses. Et putain, j'ai un autre truc à faire, mais j'ai oublié. J'ai acheté le coiffeur. Frère, je ressemble à... Un fils d'up et je dois training. Et faire l'edit, putain j'avais oublié. Je sens qu'on va me le demander pourquoi je travaille mes biceps comme ça en mode demi-rep, tout simplement parce que bah, j'ai beaucoup moins de force dans le bras gauche que dans le bras droit. De toute façon, je pense que ça se voit sur l'exo et même en général, c'est depuis mon opération. Dans tout ce que je fais, que ce soit les élévations ou autre, j'ai beaucoup moins de force dans ce bras-là. Donc ça concerne tout le bras et pas que le biceps, mais dans le biceps encore plus. Et là où j'ai le moins de force, c'est dans cette partie-là. Du coup, je travaille que cette partie-là, parce que bah avant j'allais à la salle, etc. et je faisais des exos classiques, soit du marteau ou autre. Et en fait, je prenais tout dans l'avant-bras et rien au niveau du biceps. Tout simplement parce qu'en fait, cette partie-là, j'ai trop du mal à la faire, même sans poids, en fait. Le fait qu'il me manque une partie du biceps, en fait, cette partie-là, j'ai l'impression qu'elle est impossible. Même sans poids, je manque d'amplitude de ouf. Et du coup, je manque de force de ouf. Bien sûr, de force dans cette partie-là du mouvement.
Mais là où c'est le plus flagrant, pardon, c'est cette partie-là. Du coup, c'est pour ça que je spamme ces demi-reps là. De toute façon, c'est assez connu en vrai dans le bodybuilding. Ceux qui font les pecs et qui sont toujours sous tension comme ça, ça existe, des méthodes qui existent. Bah là, je fais pareil en cœur. En fait, il n'y a jamais de repos. Que ce soit de là à là, en fait, je suis toujours sous tension. Alors que quand je vais là, bah, ici, il n'y a plus de tension, tu vois. Donc, du coup, j'ai adapté mes exercices biceps en faisant comme ça. En gros, je fais plus mes exercices biceps pour compenser mon manque de force au niveau du bras gauche que pour prendre de la force au niveau du bras droit. C'est bizarre, mais en gros, avec mon expérience, je sais pas si c'est le meilleur truc, mais pour moi, c'est la dernière chose que j'ai pas essayé pour avoir la même force au niveau des deux bras, ou au moins s'en rapprocher un maximum. Du coup, je teste cette méthode-là et ouais, on va voir si ça marche. Hein. Même quand je fais l'exo, je pense que ça se voit. Je compense de ouf avec l'épaule. Genre, j'arrive pas à faire un mouvement pur comme ça. Même si je mets léger, hein, c'est pas grave. De toute façon, c'est léger. Septième jour, du coup, alors que je pue la merde aujourd'hui, franchement, je voulais même pas m'entraîner, je me sentais pas chaud et tout, je suis fatigué. Bref, j'ai réussi à faire six full press, même si elles sont pas insane, elles sont pas très belles. J'ai quand même passé 6 full press, donc en une semaine je suis passé de 2 full press à 6. C'est très très correct. En vrai, je pensais avoir 5. Du coup 5 je crois que je les ai fait à 2-3 jours. C'est plus de 2 jours je crois. Du coup aujourd'hui 6. Je suis assez content. Comme j'ai dit, à la fin du mois, j'aimerais bien faire 10-12 bails comme ça, en forme plus belle que celle que je viens de faire. Niveau physique, merde, je suis pas dans le cadre. Niveau physique, je trouve ça aussi très correct. Je sens que j'ai perdu du gras. Enfin, je le vois quand même. Je suis pas écorché, mais j'ai quand même perdu du gras. Et niveau muscle, ça va. J'en ai pas forcément pris de ouf. En tout cas, j'ai conservé ma masse musculaire, je trouve, en perdant du gras. De toute façon, en une semaine, on peut pas faire des miracles. Je peux pas perdre 10 kilos en 10 kilos de gras et prendre 10 kilos de muscle. Enfin, bref, je trouve que c'est très correct. Me reste à faire, ça va être je vais plus m'entraîner en termes de strict pur. Je vais diminuer le renfo et je vais continuer par contre mes deux séances de curl par semaine. Là, je vais faire ma séance après mon entraînement. Je suis en plein dans l'entraînement là. Ouais, je vais plus faire de strict pur parce que les jours où ça allait pas, enfin où je me sentais mauvais, je faisais du renfo du coup pour compenser plutôt que de rien faire. Mais là, je vais plus me forcer entre guillemets à faire du strict même les jours où je suis nul. Niveau bouffe, je vais rien changer. Je fais toujours parler de glucides. Enfin, je vais continuer à bouffer mes protes et puis voilà. J'ai fait un fail, c'était aujourd'hui. En vrai, avant l'entraînement, ma mère m'a ramené un espèce de pain avec du fromage et du saucisson halal, bien sûr. Du saucisson halal dedans. Mais sinon, j'ai été carré toute la semaine. Je crois qu'il n'y a pas une merde que j'ai faite. Ouais. Et niveau ressenti, ouais, je me sens bien, je me sens beaucoup mieux qu'au début de la semaine. Simplement parce que je dors mieux, je m'hydrate mieux, je mange bien, je trouve. Même s'il y en a qui vont dire, ouais, mais zéro glucides, c'est pas bien manger. Moi, je trouve que c'est très bien en tout cas. Pour l'instant, ça me va très bien. Donc, je vais pas ajuster la diète pour l'instant. Niveau entraînement, comme j'ai dit, je vais rajouter du street, renfo, je vais faire mes deux séances de curl. Il me faudrait un objectif. Pour la fin de la semaine 2, j'en ai aucune idée. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Je vais peut-être vous la donner du coup pendant la semaine 2. Mais ouais, je sais pas, putain. Et niveau front, ça s'est un peu amélioré. Mais je suis pas non plus de retour à faire des, je sais pas combien de pull-up et tout. Il y a des jours où je peux faire 2-3 pull-up. Mais le lendemain, je souffre, j'ai mal au triceps et au dos à la mort. Donc, il y a eu quand même une amélioration parce que je ne pouvais pas du tout tug, ni traction, ni rien. Là, je peux un tout petit peu plus forcer, c'est quand même mieux du coup. Et à niveau planche, ouais, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Je me sens beaucoup plus à l'aise. Il y a encore plein de défauts, soit sur la forme, sur plein de choses. Bref, il y a encore plein de défauts. Mais je sens que ça va en s'améliorant et c'est le but du coup. Ah oui, et j'ai pas reçu le colis MyProtein du coup. Je sais pas, j'attends depuis je sais pas quelle heure. Et du coup, il n'est jamais venu. Bah, dans la prochaine vidéo.